Ah là, il y a quelques blancs. Voilà, c'est des poussards avec quelques blancs. Donc là, on va faire un tri. Donc les vendangeurs ont déjà enlevé tout ce qui était pourri. Et s'ils en ont oublié, ça permet de faire un deuxième tri à la main. Voilà, donc on va dégrapper délicatement pour garder des grains intacts. On va garder des grains comme ça qui vont faire une petite intracellulaire. Voilà, on va garder des grains ronds qui vont faire une petite intracellulaire. Oh, c'est japonais alors. Oh là 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 là. On garde des grains ronds. Hop, je te mets plus. Oui, vas-y. On garde des grains qui sont bien ronds. Et ça, ça va faire une petite intracellulaire. Ouais, ceux-là, ils sont pas écrasés. C'est pour ça qu'on les grappe à la main, pour avoir une partie de grain qui n'est pas écrasée. Donc on a l'avantage de la fermentation alcoolique pour la garde du vin, pour la capacité du vin à vieillir. Et on a une petite partie de grain pas écrasée qui vont apporter le fruit. Il doit y avoir une couleur. Je peux y aller, Pierre? Oh oui, vas-y. Ouais, là, il y a un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc dans les rouges. Ils sont poussards blancs. Non, ça c'est du savagnin. Il y a quelques pieds de poussards blancs dans la vigne, mais ça c'est des quelques pieds de savagnin qui ont été plantés dans les remplacements. C'est pas grave. Tiens, Pierre, c'est pas grave, j'en ai quelques-uns. C'est quoi? C'est pas grave, il y en a quelques-uns. Des savagnins? Des blancs? Ah non, au contraire, oui. C'est du savagnin. Ah oui? Non, ça va. Une année comme ça, il y a peu d'acidité, donc il y aura un peu d'acidité dans les blancs. D'accord. Non, non, non. C'est pas grave du tout, c'est au Rosalia. Ouais, dis donc. Sans regret. Alors, trois places.